What's up tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, d'une réception de colis. J'ai reçu deux petits colis de la part de mon ami John Fitz. Donc il faisait des petits échanges, vente de ses jeux ces derniers temps. Et je lui ai pris quelques petits jeux. On va regarder ça ensemble. Il m'a envoyé ça sur deux petits colis parce que je suppose qu'il n'a plus de boîte à chaussures. Il a brisé son stock et il m'a dit que son épouse en avait marre de donner toutes ses boîtes à chaussures. Donc il a fait des petites enveloppes quoi. Donc écoutez, on va procéder au déballage. Donc il m'a envoyé ça sur cette forme-ci. Voilà. Et on va un petit peu regarder ce qu'il y a dedans. J'avoue que je ne me rappelle pas de tous les titres que j'ai demandé. Il n'y a pas grand chose normalement, mais ça doit être, si je me souviens, c'est des bons titres. Donc on commence avec un Way of the Samurai 4. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série des Way, c'est vraiment, je vais dire, des jeux très très longs à faire parce que, comment on va présenter ça, vous faites vraiment l'histoire d'un samouraï. J'ai pas envie de dire comme dans un GTA, mais c'est comme dans un monde ouvert, on va dire. Vous avez plein de mini-quêtes un petit peu partout, des quêtes principales à suivre. Vous faites évoluer votre samouraï au fil du temps, il apprend des techniques, des nouvelles armes, etc. C'est vraiment une excellente série qui est très populaire au Japon, un peu moins en Europe. D'ailleurs, il n'y a pas de sous-titres en français, c'est uniquement en anglais. Donc il faut bien connaître l'anglais pour jouer à ce jeu parce qu'il y a énormément de dialogues. Et bon, moi j'avais fait le troisième, j'avais bien aimé. Le quatrième, j'avais pas encore essayé. Donc je vais attaquer ça peut-être pendant mes congés. Alors, le contenu, eh ben, il est impeccable. Il est complet. Et si on regarde bien, c'est édité par Nice America. Donc Nice America, ils font des bons jeux. Beaucoup de bons jeux qui sont destinés au Japon. Et qu'on retrouve parfois dans nos contrées européennes, mais souvent ils sont jamais traduits, sont toujours en anglais. Donc voilà le premier jeu, oui, Off the Samurai 4. Très content de l'avoir procuré parce que c'est un jeu que je ne trouve pas nécessairement facilement près de chez moi. Alors pour les prix, je ne vais pas dire le prix parce que c'est un échange entre nous, entre youtubeurs. Enfin, c'est un achat entre youtubeurs. Donc comme d'habitude, sachez qu'il fait des prix extrêmement bas, donc si vous voulez lui acheter des jeux plus tard, ce ne sera pas un problème pour vous je pense, parce que ses prix sont bas. Il ne demande vraiment pas grand chose, donc voilà. Alors en deuxième lieu, il m'a envoyé Yakuza 4 version Steelbook. Donc j'avais déjà le jeu en version normale, mais comme je suis de 1 très fan de Yakuza, et de deux, très fan des steelbooks, ben je me suis dit que j'allais lui choper. Surtout je ne savais pas qu'il y avait une édition steelbook qui existait. Alors d'après ce que je peux voir, il y a un fourreau en plastique. Donc voilà le steelbook, comment il se présente. Et à l'intérieur, on a donc le jeu et la notice, tout bien comme il faut. Donc ceux qui n'ont jamais joué à des Yakuza, évidemment, je ne peux que trop vous conseiller de vous attaquer à la série. Mais malheureusement, comme tout à l'heure, il faut connaître son anglais parfaitement parce que c'est pas du tout traduit. Le seul Yakuza qui a été traduit, c'était Yakuza 2 sur PS2. Tous les autres Yakuza sont toujours en anglais. Il faut connaître un minimum d'anglais pour s'en sortir parce que c'est comme un GTA monde ouvert, vous avez beaucoup de parlotes, etc. Si vous voulez comprendre le scénario, les quêtes annexes, l'anglais est obligatoire. Donc ça c'est un peu dommage qu'ils ne localisent pas ces jeux. Surtout que je pense que s'ils localiseraient les Yakuza en Europe, je pense qu'ils feraient plus de ventes parce que c'est vraiment des excellents titres. Donc ça c'était pour le premier colis.
On va ouvrir maintenant le deuxième petit colis. Je me souviens maintenant. Je lui avais demandé un jeu PSP. Marvel Nemesis, l'avènement des imparfaits, qui est un jeu d'action, beat 'em all, avec les héros de Marvel. Donc ça me fait un petit jeu PSP supplémentaire. Voilà. Donc super chouette parce que c'est pas un jeu qu'on trouve fréquemment, je veux dire. Et alors en dernier lieu, je lui avais demandé le steelbook de Darksider 2. Parce que bon, je possède le jeu, mais j'avais pas le steelbook. Mais regardez comme il est magnifique. Voilà. Le steelbook Darksider 2, ça me fait super plaisir. Ça me fait un steelbook supplémentaire. Je commence à en avoir quelques-uns. Hein. Enfin, je fasse une fois de vidéo avec tous mes steelbooks. Donc voilà, très très content. Donc voilà, c'était pour ces tous mes petits colis. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais bon, comme j'ai dit, je regroupais tous mes achats pour Noël et pour la fin d'année. La fin d'année, c'est mon anniversaire, le 30 décembre. Donc tous mes achats sont regroupés là. Je me fais des cadeaux à moi pour mon anniversaire. Bon, c'est un petit peu spécial. Mais bon, c'est comme si mon épouse me faisait des cadeaux en fait, puisque bon, quand on habite ensemble, je veux dire, c'est le même foyer, donc voilà. Et normalement, pour Noël, je veux dire, le jour après Noël, il devrait y avoir un énorme vidéo d'unboxing avec plein de choses que j'ai achetées qui sont en dessous du sapin depuis déjà une dizaine de jours que je ne peux pas toucher. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a des cadeaux que je vais recevoir, peut-être que je ne sais pas ce qu'il y aura, des cadeaux supplémentaires pour mon anniversaire ou quoi, je ne sais pas encore tout. Mais attendez-vous à une énorme vidéo avec vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses vraiment chouettes que j'attendais d'avoir depuis un certain temps. Donc ça, ben, on verra ce qu'il y aura pour ma Noël et mon anniversaire. Alors pour terminer, je tenais à tous vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Un bon début en 2015, même si je pense qu'on se reverra avant la fin 2014. Et je vous souhaite beaucoup de cadeaux de jeux vidéo en dessous de votre sapin. Et surtout, n'oubliez pas, faites chauffer les consoles à un max. Elles doivent brûler pendant les congés de fin d'année. Il faut bien profiter de ces jeux. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ryu. À plus.